C'est la dernière course avant le Vendée, donc super. Il y a encore du travail, encore plein de choses à faire pour être prêt. Mais c'était bien intense et c'est toujours passionnant ces courses parce que on peut comparer les bateaux dans plein de conditions et de forces et d'angles de vent différents. Reprendre ses marques après le chantier d'été, c'est bien. Hyper satisfait, oui, carrément. Oui. C'est pas vraiment un exercice Vendée Globe, mais on s'est bien amusé quand même. Un super parcours avec quelques copains quand je me souviens des années Figaro. On a fait un petit étape des Figaro en Imoca. Mais voilà, des conditions bien variées. On a vu quasiment tous les voiles et je suis content que j'ai passé deux jours sur le bateau un peu en mode Vendée Globe et je sentais à l'aise. C'est bien fatigant, quand je pense qu'on en a tous plein les épaules. Donc vivement maintenant de retrouver un peu d'eau à courir et au mois de novembre. Merci Jean-Marie, je précise que merci pour votre attention.